Bonjour, cette vidéo est une introduction à Snap. Snap est un langage orienté bloc qu'on prend et qu'on snap les uns aux autres, d'où le nom. Voilà. Alors, on peut déjà avoir un petit exemple ici dans le screenshot, mais on va parcourir un peu plus en détail. Aussi, vous pouvez voir l'URL en haut à gauche de la page. Donc, tout se fait dans le navigateur, il n'y a rien à installer. Donc, on va lancer l'éditeur. Alors, sur la gauche, on a toute notre palette de blocs et les blocs sont organisés en catégories. Chaque catégorie a une couleur différente. Donc, avec la couleur d'un bloc, on sait sa catégorie. Au centre, on a l'éditeur de code. C'est là où on va glisser-déposer nos blocs. À droite, on a deux régions. Une qui est l'espace de jeu ou le canvas où tout va se passer. Et en dessous, les lutins ainsi que les scènes. Les scènes sont les fonds et les lutins sont les sprites qui vont pouvoir se déplacer. Donc, on va commencer avec quelque chose de très simple. On va simplement déplacer le sprite un petit peu vers la droite. Alors, pour ça, il faut un début de programme et nous allons le trouver dans Contrôle et quand drapeau vert est pressé. Donc, je fais un glisser-déposer. Et maintenant, on veut un mouvement, puisqu'on veut un déplacement. Donc, on veut un mouvement, et pour ça, on va aller dans Mouvement. Donc, pas de grande surprise. Et on va utiliser Avancer de 10 pas. Donc, ceci est un programme assez simple. Et on va l'exécuter. On peut le faire de deux façons. Soit on double-clique, et alors il exécute le bloc. Soit on clique le drapeau vert. Évidemment, celui-là va lancer tous les drapeaux verts. Alors que cliquer comme ça va exécuter juste les blocs qui sont cliqués. Donc là, vous savez maintenant les deux différentes façons d'exécuter un programme. On va faire quelque chose un peu plus complexe. On va utiliser une boucle. Donc c'est dans Contrôle et on a répété 10 fois. On va prendre celui-là. On va faire répéter 10 fois avancer 10 pas. Et on peut voir que quand on clique sur le drapeau, la tortue avance bien de 10 pas. Enfin, 10 fois 10. Voilà, donc ça c'est simple. Maintenant, on peut s'amuser à dessiner aussi pour pouvoir voir un peu ce qui s'est passé avant. Et pour ça, on a le stylo. Donc, on va juste mettre le stylo sur le canevas. Donc, pour ça, on va trouver le... Voilà, donc stylo en position d'écriture. On va avancer 10 pas et ça va laisser une trace là où on est passé. Donc si j'exécute, on a une ligne. Maintenant, si je réexécute, on a chaque fois des lignes partout. Et bon, c'est pas top, sauf si on veut faire du dessin, allez, pas à pas, on va dire. Mais sinon, on voudrait tout effacer. Alors pour ça, on a effacé tout. Qu'on va mettre au début. Et là, maintenant, chaque fois que j'exécute, la tortue ou le sprite va avancer et faire une trace. Évidemment, là, on a un problème. C'est que chaque fois que je clique, le sprite part de sa position précédente. Et c'est pas non plus tip-top parce qu'on veut qu'un programme commence toujours avec les mêmes données. Donc, ou avec les mêmes conditions initiales, on va plutôt dire ça comme ça. Alors, pour ça, on va régler ça en déplaçant la tortue en 0,0 au début du programme. Donc, on va dans Mouvement et on va mettre le hop, aller à XY, donc ça allait à une position. 0,0, ça veut dire centre de l'écran. Et maintenant, chaque fois que je relance, la tortue va au centre de l'écran. Donc jusque-là, c'est bien. Maintenant, on peut essayer de faire par exemple un carré. Alors, pour faire un carré, on fait quatre côtés avec chaque fois 90 degrés. On tourne chaque fois de 90 degrés. Et donc, pour ça, on va prendre tourner de hop, 90 degrés. Et il y a quatre côtés, donc on va répéter juste quatre fois. Et là, on a un carré qui est un peu petit, je trouve. Donc, on va agrandir, on va mettre 200 pas. Ah,
c'est un peu trop grand, on met 150. Voilà, on a notre carré. Bon, évidemment, si je veux un deuxième carré, je peux dupliquer et mettre ici. Et ici, on va mettre par exemple 100. Et on a deux carrés. On peut changer également la couleur du stylo. Donc pour ça, je vais dans Stylo, mettre la couleur, la rouge. Et quand je vais lancer, on a bien deux couleurs. Mais maintenant, si j'exécute à nouveau, les deux carrés sont rouges. Comme avant, il faut s'assurer qu'on a des conditions initiales qui sont toujours identiques. Maintenant, je peux cliquer autant de fois que je veux. J'aurai toujours le même résultat. Bon, évidemment, ici, j'ai dupliqué un bloc, une série de blocs même. Ces blocs-ci ont le même code. Et on peut voir qu'avancer est différent. En fait, ce qui est différent aussi, c'est la position. Parce qu'ici, on a la même position, mais j'aurais peut-être voulu aussi faire le carré autre part. Donc, par exemple, imaginons, je prends le bloc ici et je veux aller à... Et d'ailleurs, on va avoir un espèce de bug. 50-50. Et si je lance, j'ai un espèce de cube en 3D pas tout à fait terminé ou avec une certaine perspective. Donc, ici, ce qui se passe, c'est que la tortue a dessiné l'arête qui est ici parce que le stylo était levé. Donc, il faut relever le stylo, se déplacer et mettre le stylo en position d'écriture. Et là, on n'a plus le segment parasite. Là maintenant, c'est bien, mais chaque fois copier les blocs, ça va faire très vite un très très long programme. Alors pour ça, on va prendre la partie qui nous intéresse et on va créer une fonction. On va faire un nouveau bloc qui contiendra cette partie-là. Et pour ça, on peut aller dans la bonne catégorie, c'est plus facile comme ça. Et on va rester dans stylo parce qu'on est toujours en train de dessiner. Et on va utiliser le petit plus qui permet de faire un nouveau bloc. Alors, ici, que veut-on faire? C'est une commande. Donc, on veut expliquer comment faire quelque chose. Le reporter explique comment calculer une valeur et prédicat est simplement une condition. On va donc stylo, commande, carré. Et on va faire pour tous les lutins. Donc tout le monde sera capable de dessiner un carré. Ok, on a carré. Et on prend nos blocs qui sont ici et on les glisse directement là. Et voilà, on a notre fonction. Évidemment, elle n'est pas très utile parce qu'elle est très limitée pour l'instant. Elle ferait que des carrés très très spécifiques. Donc on va un peu modifier ça. Mais d'abord, on va tester. Voilà, j'ai ma nouvelle commande, on lance et rien n'a changé. Ce qui est normal. Si j'enlève juste, donc en détachant la commande, elle est ici mais elle ne sera pas exécutée parce qu'elle n'est pas collée à la suite. Et on peut voir qu'il y a bien un changement. Maintenant, nous allons éditer le carré et nous allons ajouter des variables. Donc, on va par exemple mettre la longueur du côté, qui sera un nombre, et une position. Carré, on va dire de côté à la position. Et ici, on va mettre X et Y. X, Y. Donc voilà, là on a un bloc avec des paramètres qui sont dans des petites pilules oranges comme ça. Et on peut prendre ces pilules et les glisser aux endroits qui vont bien. Et voilà, on a notre forme, enfin notre carré qui est prêt. À faire appliquer OK et on peut voir que des trous sont apparus.
Alors, on peut utiliser le même format qu'ici, ce qui sera moins portera moins à confusion. Et on va supprimer le là. Ah. Voilà. Carré de côté à XY. Voilà. Donc maintenant, ça ressemble à un bloc classique, donc tout à fait transparent. Et on peut par exemple dire de côté 10 à 10-10. Voilà, on a notre petit carré à 10-10. Donc voilà, on peut faire plein de carrés si on a envie. Alors pour ça, on va faire par exemple répéter 10 fois. Mais on va pas prendre celui-là, on va faire le pour i. Alors de 1 à 10, carré de côté 10 à, puis on va faire une ligne par exemple. Et donc pour ça, on va utiliser un produit et on va multiplier 10 par i. I qui ira de 1 à 10. Et on a notre petite réglette ici qui a été formée par plein de petits carrés grâce à la boucle. On pourrait faire une grille. Donc pour ça, on va aller dans contrôle et pour i de 1 à 10. Hop. Hop, allez. Et ici, évidemment, ça va pas le faire parce qu'on a deux fois i. Donc on va appeler celui-là j. Voilà. Et maintenant, on va dupliquer cette partie-là, supprimer le i parce qu'on n'en a pas besoin et prendre le j. Donc maintenant, on a i et j qui vont être chaque fois incrémentés de 1. Donc d'abord, on va faire verticalement et puis horizontalement. Alors, on a un petit bug évidemment. Et donc, on va relever le stylo entre chaque carré, ou on va plutôt regarder ce qui se passe ici, mettre en position d'écriture. Oui, donc ici on va faire quelque chose de mieux que ça. C'est-à-dire qu'on va aller dans le stylo et on va faire, est-ce que le stylo est en position d'écriture en fait? On va utiliser ça et on va utiliser ainsi. Alors pourquoi je fais ça? Parce que on va faire si. En fait, on va même faire mieux que ça. On va créer une variable locale. Voilà. Et en fait, on va simplement se rappeler si le stylo est en position d'écriture. Alors là, je suis en train de galérer parce que je dois mettre un nom qu'il accepte. Là, je fais à mon avis un. Ok, je sais pas pourquoi je peux pas la renommer. Donc, on va prendre une variable du script. Donc, c'est une variable locale. Ok, là, ça va pas. Donc, si la peine. Donc, là, on va simplement assigner cette variable. Donc, on va changer sa valeur. Mettre a paint down, et maintenant on va faire if la valeur de ok. Alors ici c'est le contraire qu'on va devoir faire en plus,
Donc on aura un if else. On va aller chercher la variable. Donc là, il me faut la valeur de la variable. Que je ne vois pas. Ah ouais, mais c'est normal. Je suis bête. Donc je dois le prendre d'ici en fait. Et donc si A, ah, donc si le s'il était down, alors on doit mettre le stylo down. Donc c'est-à-dire en position d'écriture. Sinon, bah, on doit le relever. Voilà. Et donc comme ça, si on avait le stylo en position d'écriture quand on faisait le carré, quand on aura fini de faire le carré, on le laissera en position d'écriture. Par contre, si le stylo était relevé avant de faire le carré, on mettra le paint down, on fera le carré et on relèvera le stylo. Donc comme ça, le programmeur, celui qui utilise le bloc, n'a pas pensé à ça. Testons. Et voilà. On a maintenant une grille qui se fait correctement. Alors on peut voir que c'était assez long et ce qu'on peut faire, c'est activer le mode turbo. Et le bouton a changé. Et là, c'est instantané. Ok, donc là, on a vu qu'on pouvait faire des boucles, des fonctions. C'est déjà pas mal, mais on peut faire encore mieux. Je vais supprimer tout ça. Je vais juste lancer un effacer tout. Voilà. Donc ça, c'est avec la technique que je vous avais montrée. On peut cliquer à un bloc et ça l'exécute. Ok. Et on va faire un bras mécanique. Donc comme une grue. Hein. Voilà. Et ça va nous permettre de voir les différentes fonctions ici. Donc on va utiliser le pinceau. Et ça nous ouvre le Paint Editor. Et on va aller directement en vectoriel. Alors, la différence, c'est qu'ici, je vais pouvoir faire des formes et les déplacer. En bitmap, c'est des pixels, donc c'est des points de couleur. Et on peut pas les redimensionner. Donc c'est plus facile en bitmap. Là, je vais faire un rectangle qui sera la base. Et on va mettre ce rectangle en couleur. Voilà. Bon, je suis pas super artistique. Donc voilà. Ok. Rose et jaune, c'est bien. Et c'est notre base. Le point qui est là, que je viens de faire d'apparaître, c'est le centre de rotation. Pour ceci, ça n'a pas d'importance. Voilà, c'est la base. Maintenant, on va faire le bras. Mais pour le bras, on va être assez fainéant. On va juste faire un rectangle qu'on va remplir en vert. J'étais pas en vectoriel, oui. Donc, on fait notre rectangle, parce que le vectoriel permet aussi de changer les couleurs par après, évidemment. Donc c'est beaucoup plus facile. Voilà, on va faire un rectangle vert avec bordure rose. Ok. On va peut-être la faire un peu plus petit. Et là, maintenant, c'est important, on va déplacer notre point au début de notre rectangle. En fait, c'est le pivot, c'est pas de là. C'est le centre de rotation, le pivot. On va faire OK. Donc là, j'ai mon bras. Et on va le dupliquer. Là, ici, je vais, oups, là, ici, je vais juste changer la couleur de celui-là en faisant costume pinceau. Ou je crois que voilà, éditer. Donc, chaque fois qu'il y a un menu, c'est un clic droit. Et ici, on va changer la couleur en rose. Voilà. Et parce que la démonstration fonctionne mieux s'il y a trois bras, donc on va dupliquer. Voilà. Comme ça. Et on va lui donner une couleur bleue. Parce que tout le monde sait que c'est trois couleurs qui vont très bien ensemble. J'ai dit bleu, on met bleu. Voilà, donc là on a notre bras.
Alors, l'autre chose, c'est qu'on aimerait le tourner un peu quand même. Alors, à la différence de Scratch, il n'y a pas des jolis boutons pour faire tourner les sprites, c'est dommage. Mais c'est pas grave. Quoique, on peut faire ça. Donc, j'ai rien dit. Donc, on va tourner un peu comme ça. Voilà. On va le mettre ici. Là, on va le mettre comme ça. Et là, on va tourner un peu. Ouais, c'est dommage que ce soit en anglais par contre, mais c'est la vie. Ok. Donc là, on a notre bras qui est en une certaine position. Mais si je lance ça, ça fait rien. Parce qu'il n'y a pas de code. Donc, pas de code, pas de comportement. Donc, on va simplement attacher chaque partie du bras à la précédente partie. Alors pour ça, je prends le lutin 2 et je vais le glisser sur la base. Maintenant, le lutin 2 est attaché à la base. Je prends le lutin 3, l'attacher au vert, et le lutin bleu est l'attacher au rose. Donc maintenant, on a une filiation. Donc ça est le parent de ça, quel parent de ça, quel parent de ça. Et donc si je tourne cette partie-là, tout tourne. Si je tourne cette partie-là, juste la partie de qui suit va tourner. Et si je tourne, enfin, mon avis, vous avez compris à partir de là, hein, voilà. Et si je tourne à celui-là, évidemment, il va tourner tout seul. Mais ce qui est cool avec ça, c'est que maintenant, on peut programmer ce bras. Donc, on va prendre le vert. On va juste faire un tout script tout simple qui sera mouvement. Enfin, déjà, il faut avoir un début. Et il faut avoir une boucle. On va faire une boucle infinie que je ne trouve pas tout de suite. Voilà. Et il y aura probablement une pause aussi dans l'histoire. Donc, la pause probablement à nouveau dans contrôle. Alors, est-ce que mettre en pause, mais c'est pas ça que je veux. Donc on va chercher, attendre, voilà, une seconde me paraît bien, ok. Alors justement, il y a un truc qui est pas mal aussi, c'est que je peux maintenir majuscule et cliquer, et un curseur clignotant apparaît. Avec les flèches du clavier, je peux le déplacer en faisant haut et bas, comme je suis en train de faire, ou droite pour descendre dans la hiérarchie des blocs. Donc là, je fais droite, gauche. Droite. Et si je continue à faire droite, j'arrive dans le paramètre. Et en quoi c'est bien? Là maintenant, je peux taper du code. Et ici, je veux par exemple tourner le bras. Et donc, en tapant tour, j'ai comme une autocomplétion, une intellisense. Et on peut voir que les blocs sont entourés de blancs. Si je fais entrer sur le bloc, il est inséré pour moi. Donc j'ai pas besoin de quitter le clavier. Et voilà, je suis en train de remplir les blocs comme ça. Alors, on attend de 15 degrés. Ok, une seconde. Très bien. Et on va après tourner de 15 degrés dans l'autre sens. 15, c'est peut-être pas si bien que ça. On va peut-être mettre 30. Là, je fais Enter pour rentrer dans, enfin, entrer pour rentrer dans l'édition du bloc. Ok. Et voilà. Maintenant, on a notre script. Si je le lance, c'est un peu dégueulasse. Donc, on doit faire ça un peu plus beau. Et on n'a pas la possibilité de tourner en fonction du temps. Donc, on va devoir tricher un peu. Enfin. Si on peut appeler ça tricher un peu, on voit que 30 c'est par exemple 10 fois 30 degrés. Et donc pour ça, on peut faire répéter 10 fois. Hop. Le tourner de 3 degrés. Et maintenant, on va dupliquer ceci. Et on va mettre moins 3. Parce que
tourner de moins 3 degrés vers la gauche, c'est la même chose que 3 degrés vers la droite. Et enfin, on va attendre une seconde. Si on lance ça, on a quelque chose un peu mieux. Bon, c'est un peu trop rapide, je pense. Mais ok, pour l'instant, ça le fera. Et on va faire rotate, on va remettre notre bras bien comme il était avant. Ok. Maintenant, on va copier le script dans les autres bras. Alors pour ça, on peut prendre le script lui-même et le glisser sur les formes. Donc, je vais sur la forme rose, je lâche. Le script est revenu en place, mais il a été copié également dans la forme rose. Et ici, on va changer, on va mettre par exemple 4 degrés et moins 4 pour qu'il ait une autre ouverture. Ok, on va mettre ça dans le bleu. Ah, là je me suis raté apparemment. Donc on va recommencer. Voilà. Faut bien glisser au-dessus. Et ici on va mettre 5 et 5. Okay. Alors on va créer un petit décalage entre les bras. Sinon, bah, ça ne sera pas intéressant, ça n'évoluera jamais. Donc ici, on va attendre 0,5. Ici, on va attendre 0,8. Et ici, on va attendre une seconde. Maintenant, si je lance, le bras fait des trucs bizarres. Voilà, ça paraît aléatoire parce que bah, les cycles ne se mettent pas en phase très vite. Donc voilà. Et puis parfois ça va en même temps. Donc mais c'est assez rigolo. Voilà, on a automatisé un bras. Pour le voir un peu en plein écran. Alors, bon, c'est sympa, ok. Mais on peut aussi faire du dessin avec ça. Donc maintenant, on va ajouter juste un lutin. Je vais mettre vectoriel, même si ici j'ai pas vraiment besoin. Et là, en tenant majuscule, je fais un cercle. Ok. Et on va le remplir. Hop, il faut le sélectionner. On va le remplir de rouge pour dire que c'est quelque chose d'actif. Et on va parenter ça au bleu. Donc maintenant, je peux. Allez, tu veux bien, oui. Alors là, j'ai fait une bêtise peut-être bien. Ouais, donc là, j'ai été en mode dans un déplacé, il me sélectionne que celui-là et je suis libre de le mettre où je veux. C'est parce que je l'ai apparenté au bleu trop tôt, et donc je peux plus le déplacer en solitaire. Mais bon, c'est pour ça que j'ai dû utiliser le menu pour pouvoir dire non, non, je veux sélectionner et déplacer que celui-là. Ok. Donc là, nous avons notre point et on peut juste mettre un quand est pressé, stylo en position d'écriture. Et aussi, on va faire un effacer tout au début. Et maintenant, si on exécute, on a un bras qui dessine. Bon, après, il ne fait pas des formes très intéressantes. Alors, une variante de ce bras-là, c'est de faire un pendulum. Donc, je vais juste enlever la base parce qu'elle ne sert plus trop. Donc, c'est celui-là qui est attaché. Donc, on va faire détacher du lutin. Maintenant, la base est autonome et je la supprime parce qu'elle ne sert à rien. Donc là, on a maintenant nos bras. Et ils sont un peu longs, je trouve. Donc on va raccourcir les bras. Je pense que ça devrait le faire, oui. Et en fait, je vais aussi supprimer les autres bras. Parce qu'ils ne me servent pas. Donc, enfin,
J'irais plus vite de cloner celui-là que de... Alors, je vais détacher, voilà. Ok, on va juste créer un code dans celui-ci pour aller vite. Voilà, notre code ne fait que ça. On va ajouter, on va dupliquer. Celui-là, on va lui dire, donc, faites attention qu'on est dans un autre. On va lui dire, déplace-toi de 8 degrés. Dupliquer. Et lui, on va lui dire 5, 8 et je vais prendre un nombre premier, 13. Voilà, comme ça, le cycle sera assez long. Et on doit parenter dans le bon ordre. Donc maintenant, je veux que celui-là. Donc là c'est la difficulté de mettre les mêmes couleurs. Mais en double-cliquant, on voit lequel est lequel. Donc là, je double-clique. Ah non, oui, ça c'est bien. Hop, je l'attache à celui-là. Celui-là, ah oui, c'est bien, je l'attache à celui-là. Et ça y est, j'ai fait les bons attachements. Maintenant, je repère le... Voilà, c'est celui-là. Donc celui-là doit recevoir le cercle. Et j'ai fait la même bêtise que tout à l'heure, mais c'est pas grave. Clic droit, je déplace. Là, on peut voir que le stylo est encore actif. Et je place ça là. Si je range ça, peut-être centrer un peu, on aura un beau dessin. Voilà. Donc là, on a une espèce de spirographe. Donc c'est un peu plus intéressant que ce qu'on avait avant. Et avec ça, on a vraiment la base de Snap. Évidemment, il y a des choses beaucoup plus compliquées comme ces choses avec des anneaux qui permettent de créer ce qu'on appelle des closures ou des fonctions du, non, ouais, de haut niveau. Donc, c'est-à-dire des fonctions qu'on peut passer en paramètres ou qu'on peut retourner. Mais c'est un peu plus avancé et c'est juste une introduction. Donc, je pense que c'est bon de s'arrêter là. Il faut expérimenter et voir ce que vous pouvez faire déjà avec cette base.